Quand on a créé ça, c'était la suite de cafés méditerranéens que nous organisions à l'époque avec la région. Et c'était une addition de concerts. Les professionnels nous demandaient, au niveau international, d'organiser un événement à Marseille, parce que Marseille est une symbolique pour eux forte du mélange et du métissage. Mais c'était aussi pour les professionnels de se dire qu'il fallait créer peut-être un marché un petit peu éthique, pas seulement que de l'addition de commerce, mais aussi qu'ils soient capables, par exemple, comme nous l'avons créé, un marché qui paye les musiciens, qui reconnaisse le côté esthétique et éthique, qui reconnaisse le côté artistique, pas seulement productif. Toute une série de choses comme ça qui étaient un peu menées par une cinquantaine de grands festivals européens autour d'une appellation qui s'appelle l'European Forum et qui seront d'ailleurs présents cette année.